Des centaines de manifestants se sont rassemblés ce samedi dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, pour réclamer le départ du président Kaboré, jugé incapable de mettre un terme à la présence djihadiste dans le pays. Afin de les disperser, les policiers ont usé de gaz lacrymogène contre les protestataires qui auraient tenté de se diriger place de la Nation alors que la manifestation avait été interdite. Les jeunes en colère ont formé des barricades, incendié des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale. Leur souhait, que le chef de l'État soit démis de ses fonctions puisque selon eux, il aurait failli assurer la sécurité de la population face aux violences extrémistes qui ravagent le pays depuis 2015, l'année où il a prêté serment. En 6 ans, les djihadistes ont fait environ 2000 morts. La dernière attaque remonte au 14 novembre. Au moins 57 personnes ont été tuées.